C'est qui les meilleurs? C'est nous les meilleurs. C'est qui les meilleurs? C'est nous. Avec les doudous. Attends, je ne sais plus. Oh. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Ouh, ça va s'énerver là. Ça va s'énerver. Et le gros cul là. Je connais notre gros cul. J'ai chaud. Salut tout le monde. Hello, hello. Donc, petite balade avec les toutous. On a décidé du coup de vous faire une petite vidéo sur ce sujet-là. Je saigne dans la tronche. Ouais, aussi. Certaines nous ont demandé en fait où, si on avait eu nos chiens chiots, ou si on les avait adoptés, s'ils avaient été achetés en élevage. Mmh. Du coup, on a décidé de tout vous révéler aujourd'hui. Sur nos gros. Oui. C'est très gros. Très très gros. Ils sont bien bien gros. Ouais. Du coup, on commence par toi, vas-y. Moi? On commence par moi. Alors moi, en fait, je l'ai eu à la SPA. Elle va avoir 10 ans, là. Et je l'ai eu il y a 8 ans. Ouais, elle allait avoir 2 ans, en fait, quand je l'ai adoptée, en pleine forme. Oui, c'est très bien de le dire. Très, très en forme. En fait, elle était quand même les 15 premiers jours, nickel. Et les 15 jours après, mais hyper agressive, elle voulait bouffer tout le monde. Donc c'est grâce à un maître chien en fait, à la police et tout ça, qu'on a découvert que Gangsta était en fait un chien réformé de la police. Elle était plus en fait dans tout ce qui était attaque-défense, la bagarre. Donc si des voitures genre avec des jeunes ralentissaient, la regardaient de travers, bah, n'hésitez pas à sauter par la fenêtre pour les attaquer. Elle porte bien son prénom en fait, hein, Gangsta, elle y va. C'est... Ah ouais, non, elle y va, ouais, elle y va bien, bien. C'est un chien des sous-bois. J'adore ça. Robin des Bois. C'est Robin des Bois. Après, après, c'est quand même bien assagi. Ça a mis le temps, quelques années, elle s'entendait pas avec les chiens, elle s'entendait pas avec les hommes. Avec personne, les mamies et certaines femmes. Mais ouais. Dont moi. Grave. Moi, elle m'a adoptée de suite. Ouais, mais en fait, mes amis les plus proches, elle les a adoptées direct. Y a pas eu de soucis, quoi. C'était vraiment. Ici. Bah, elle était cool, quoi. C'était vraiment très cool. Et il m'a fallu à peu près 2-3 ans, parce qu'il y avait beaucoup d'éducateurs qui voulaient même pas la prendre, la tenir en laisse ou quoi. Même quand elle était très gentille, hein. Mais donc, du coup, bah, c'est un peu aussi grâce à elle que j'en ai fait mon métier. Mmh. D'ailleurs, parce que personne ne voulait s'en occuper, bah, j'ai décidé de devenir éducatrice. Que c'est beau. C'est beau l'amour. Oh. Après, quoi d'autre sur Bibouille? Ma Bibouille d'amour. À peu près 30 kilos de... À peu près 30 kilos de conneries. On va dire maintenant qu'elle n'a plus que 20 kilos d'agressivité. C'est bon, avant plein c'était genre 100 kilos. À donner, plein de câlins. Grave, ouais. Par contre, qu'est-ce qu'elle perd les poils. Oh oui, ah, mais j'ai jamais vu ça. C'est une horreur. C'est une horreur. Il y en a toujours à enlever. Ouais, et du coup, elle a des trous de top chez elle. Et je lui ai fait des poches entières de poils. Je t'en ai fait une encore derrière. Oui. Je t'en ai refait une énorme. Il paraît que c'est un remède de grand-mère. Enfin, remède. Est-ce qu'on dit ça pour... Oui, un remède de grand-mère pour contre les tops dans le jardin. Ah, à voir. Agressé. À moi. À toi. À moi. Alors, ayant eu mon chat dans une association, du coup là, on a adopté le chat. Et du coup, on a voulu quand même acheter le chien. On voulait un gros chien de base et chien molosse en plus. Donc, on préférait l'acheter. Oh bébé. On préférait l'acheter pour qu'il soit lof et pas mélangé, pour qu'il soit vraiment équilibré dans sa tête. Et choisir l'élevage. Voilà, et choisir un bon élevage. Du coup, on est parti parce qu'on hésitait entre dog argentin et dog des Canaries. J'ai finalement choisi dog des Canaries pour, on va dire, son caractère. Et puis voilà, ça, il est massif quoi. Ah, il est pire que massif le machin. Donc, énorme. Du coup, j'ai choisi l'élevage. Ça fait à peu près 4-5 ans que je les suivais sur Facebook. On a attendu qu'on ait la situation, la maison, etc. pour pouvoir l'accueillir comme il faut. Cette année, enfin, on a décidé de le choisir. Il y avait une portée, on s'est décidé très vite.
Et on l'a choisi. Il est arrivé dans notre vie. Ritter. En juillet. Oh putain. Voilà. On a... Donc c'est vrai que c'est un choix pour moi de l'avoir acheté. Après, c'est vrai que Molas, après, quand c'est mélangé, race entre race, c'est pas top top. C'est pas très équilibré. Voilà. Des fois, c'est un peu. Enfin, il y a des exceptions évidemment, mais des fois, c'est un peu compliqué. J'ai pas voulu prendre de risque. Et moi, sachant que je voulais absolument, voilà, un gros chien molosse, c'était sûr, c'était sûr. J'ai pas voulu prendre de risque, sachant qu'après, ben, on va côtoyer quand même des enfants. Moi-même, j'aimerais bien en avoir un jour. Donc, un jour, qui sait. Moi, j'en veux pas. Mytho, je vais être marraine, moi. J'attends que ça d'être marraine, bordel. Bonjour. Mon prince viendra. Du coup, la Ritter a 6 mois et demi. Monsieur fait 36,3 kg de bonheur et de vrai. De conneries. De conneries, parce que franchement, c'est 36 kg de conneries. Et voilà, normalement, adulte, il va devoir faire, je pense, notre... Oh non. Oh purée, attendez, je vous montre. Ouais, détends-toi, hein. Il m'a foncé là. Du coup, 36,3 kg de conneries à 6 mois et demi. Il devrait faire à peu près adulte 60 kg, je pense. Son père fait 60 kg. Ça va être un gros gabarit. Un petit gabarit, son papa. Donc, non. Voilà. Alors, ça devrait devenir un gros monstre. Ritter. Ritter. Alors par contre, il y a deux sortes de personnes. Ouais, il y a les personnes qui sont trop fans de nos chiens. Ah, Malinois, ah, oh, comme des canaris. Ils sont gros, ils sont beaux. Ah, vous êtes bien gardés avec eux. Et il y a ceux qui ont peur. Ils n'osent pas s'approcher de nous, ils s'arrêtent au loin, ils font demi-tour, ils changent de trottoir. Ils ont trop peur. Non, il y en a, ils ont peur à mort, c'est un truc de dingue. Là, on vient d'en croiser deux femmes, mais on peut vous montrer. Elles ont fait demi-tour. Elles ont trop jaugé, mais genre, elles ont mis 10 plombes, elles nous regardaient de loin. Puis elles étaient là, comme ça, pour regarder et tout. Et puis, non, mais on fait demi-tour. Fait demi-tour. Oups là. Gang. Mais non. Ah oh, purée. Attention, pardon. Alors si cette vidéo vous a plu, on n'oublie pas de s'abonner. Un petit pouce bleu aussi. Et un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. On vous fait des gros bisous. Mouah.